Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo vlog, mais juste de l'épicerie, juste haul d'épicerie. Je vous parle de mon expérience couponing, puis c'est ça, comment ça s'est passé. Fait que, tu sais, si vous aimez pas les hauls d'épicerie, écoutez pas ça, là. Mais c'est ça, dans le fond, pour la première fois, là, j'ai fait le couponing, et que je vais vous parler un peu de mes observations, mon expérience, comment ça a été pour une première fois. Fait que si ça vous intéresse, continuez la vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit vlog spécial couponing. Là, dans le fond, dans mon dernier vlog, je vous montrais que Catou, de les vlogs de Catou, m'avait envoyé des coupons. Fait que là, c'est comme ma première expérience. Je vais vous dire, j'étais quand même gênée de le faire. Tu sais, je veux dire, j'avais comme jamais fait ça. Puis là, en plus, aujourd'hui, il y avait quand même beaucoup de monde. Aujourd'hui, on est mardi. Puis, dans le fond, là, je me suis fait une liste d'épicerie ce matin, mais je me suis rendu compte qu'il y a des produits qui sont en spécial jusqu'à demain. Puis il y a d'autres spéciaux qui commencent jeudi. Fait que là, j'ai comme fait une liste pour ce qui est encore en spécial présentement. Je suis allée acheter ça, puis le reste, je vais y aller jeudi. Jeudi, quand les nouveaux spéciaux vont commencer. C'est sûr que là, je suis pas encore super bien organisée, mais pour vous donner une petite idée, ma liste d'épicerie ce matin, ça me prend environ une demi-heure, trois quarts d'heure à faire. Fait que, tu sais, oui, c'est plus long, là, mais surtout, tu sais, je commence, là, fait que, tu sais, je pas très habituée encore, là. Puis pas très organisée. Là, je me suis rendu compte de ça. Parce que là, aujourd'hui, je voulais aller chez Walmart puis chez Maxi. Parce qu'il y avait des affaires que c'était en spécial chez Walmart. Puis je savais pas si elle allait l'avoir chez Maxi. Fait que je me suis dit, de toute façon, ils sont à côté un de l'autre, là. Fait que je vais faire les deux. Sauf que là, de la manière que je l'avais écrit, c'était tout pêle-mêle, le Walmart puis le Maxi. Fait que c'était, ça allait pas super bien. Mais quelque chose que je vais refaire les autres fois d'après, là, c'est exemple, j'avais marqué, mettons, les Cheez-It sont à 2 pour 3,88 au maxi et j'ai 3 coupons. Fait qu'en checkant ma liste, je savais qu'il fallait que j'en prenne 3 boîtes de Cheez-It, puis c'est ça que je mettais dans mon panier. Fait que toutes les quantités, je les marque sur ma liste. Pour ma liste de jeudi, je suis un petit peu plus organisée. Là, dans le fond, j'ai fait un peu comme Catou. Dans le fond, elle, sa liste, là, elle est toute faite à l'ordinateur, puis elle a fait imprimer, puis avec des cases, avec toutes les sections dans l'épicerie. Comme ça, c'est plus facile de se repérer. Mais là, moi, j'ai fait le même concept que elle, mais en version à la main. Là. Fait que, tu sais, j'ai une section fruits et légumes, viande, produits laitiers, frigo. Là, j'ai pas fini de la faire, là, parce que c'est ma liste pour jeudi. Mais là, pour le moment, j'ai comme marqué tous les produits que j'ai des coupons. Puis, je me suis mis tous les coupons que je vais utiliser jeudi. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup. Fait qu'il y a le persil qui est en spécial. Il y a les sauces VH qui vont être en spécial. Il y a le finish quantum pour la vaisselle qui est en spécial. Les vinaigrettes Hellmann qui sont en spécial. Je vais avoir une pièce de plus. Le beurre de peanut Jif. Le café glacé Starbucks. Que ça, j'en ai deux fois. Le fromage Petit Québec. Ça, il va être en spécial vraiment pas cher au maxi le jeudi. Puis le yogourt Yogo. Mais tu sais, il y a des coupons qui sont bons jusque, mettons, mai-juin. Fait que tu sais, ça se peut que je les utilise pas toutes parce que non plus, je veux pas que mes produits périment. Fait que je vais peut-être attendre un petit peu. Mais en tout cas, ça, c'est ce que j'ai décidé que j'allais prendre comme pour les coupons pour jeudi. Puis là, le reste de ma liste, je vais juste faire comme les spéciaux puis les imbattables. Fait que là, pour aujourd'hui, ben, premièrement, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Maxi. Là, chez Maxi, ça m'a coûté 56$. Sauf que là, sur mon 56$, j'avais une boîte de couches qui était à 27,88$. Fait que c'est sûr que faut qu'on me compte que mon épicerie m'a coûté 29$ en réalité, là, parce que la boîte de couches, ça remonte pas mal le prix de l'épicerie, là. Fait que pour 29$, j'ai vraiment beaucoup de choses. Je vous montre ça. Fait que premièrement, j'avais des coupons pour ça ici. J'ai jamais essayé ça. Mais c'est comme des repas congelés, mais déjeuner, en fin de compte. C'est des petites patates à déjeuner avec saucisse, bacon, sauce hollandaise, œufs. Ça a l'air très bon, genre de poutine déjeuner, mais congelée. Fait qu'on va essayer ça. Puis, dans le fond, ça revenait à 3$ la boîte. C'est quand même pas donné, mais tu sais, ça peut faire un bon dépanneur. Ensuite, ça, j'avais pas de coupon, mais il était une pièce. Les Cheez-It, qui étaient comme en spécial à 1,94$. Puis en plus, j'avais des coupons de 1$. Fait que j'en avais 3. Donc là, j'ai pris plein de sortes différentes, là, mais ils revenaient vraiment pas cher. J'ai jamais mangé ça, ces biscuits-là. Je vais les essayer aujourd'hui. Ensuite, ces yogourts-là, ils étaient en spécial à 3$ chez IGA. Fait que j'ai montré le circulaire sur mon téléphone pour l'avoir en spécial parce qu'il était plus cher que ça au maxi, là. Puis en plus, j'avais des coupons de 1,50$, je crois. Fait que j'en ai pris 2. Puis... 3 ingrédients seulement de Yoplait. Ça rendait pas cher.
Ensuite, les gros pots de Nutella comme ça, il est en spécial à 3,88$, mais en plus, j'avais deux coupons de 1$, fait qu'ils m'ont revenu à 2,88$ chacun. Juste une petite parenthèse, d'habitude, je prends celui de Kirkland, mais là, pour le prix qu'il coûtait, ça valait encore plus la peine. Ah, c'est en grain, je me suis trompée. Bon, fait que ça, c'est du café Starbucks. Ah, il sent vraiment bon à travers le sac. Mais ouais, c'est en grain. Puis moi, j'ai pas de moulin à café. J'ai tout le temps du café déjà moulu. Fait que là, est-ce que je vais m'acheter un moulin à café ou j'offre le café à quelqu'un que je sais qu'il y a un moulin? Je sais pas. Mais en tout cas, il revenait pas cher. Il m'a revenu 6$ le sac. Puis d'habitude, c'est comme plus dans les alentours de 10-12$ là. Et finalement, les saucisses Casania, eux, ils revenaient gratuites. J'avais un coupon pour gratuité. Les saucisses Casamia, dans le fond, Katou m'avait envoyé un coupon à imprimer. Sur la page, il y avait 3 coupons. Par contre, je veux juste vous montrer, parce que moi, mon imprimante, elle imprime vraiment trop pâle. Et pourtant, sur le coupon, je vais aller chercher mon téléphone. Là. Vous voyez, sur le coupon, c'est marqué « saucisses Casamia gratuit ». Mais moi, un coup imprimé, on voit pas le mot « gratuit ». Fait que là, je disais à la caissière, « Ah, sont gratuites ». Puis là, elle essayait de le lire là-dessus, puis elle le voyait pas. Mais c'est parce que c'est ça, c'est mon imprimante qui imprime pas bien, là, tu sais, vu que le mot gratuit, il est pas mal ton sur ton, puis en tout cas, ça sera pas long, papilo. Fait que, bref, les coupons imprimés, je sais pas si je vais leur faire, étant donné que mon imprimante est juste en noir et blanc, j'ai pas la couleur, là. Mais en tout cas, les saucisses, finalement, je les ai eues gratuites, là, mais il a fallu que ça soit un petit peu plus long, un petit peu plus de niaisage, là. En tout cas, je les ai eues gratuites, là. Puis c'est ça, j'avais 3 coupons comme ça, mais je savais pas si j'avais le droit d'utiliser 3 coupons de la même chose sur la même facture, vu que c'est comme gratuit, là. En tout cas, je sais pas. Mais c'est ça. Bon, ça, c'est pour le maxi. Fait que là, je vais vous montrer le Walmart. Au Walmart, les petits pots de vaisselle comme ça, ils étaient en spécial à 2$. Mais j'avais 2 coupons de 1$. Fait qu'ils me revenaient à 1$ chaque. La margarine vaisselle, ça vaut bien plus cher que ça d'habitude, mais là, ils revenaient pas cher. Le déodorant comme ça, ben il revenait quand même cher, là. Il revenait à 3$, mais d'habitude il vaut 6 ou 7, là. Fait que c'est 0% aluminium. En plus, moi, les déos sans aluminium, j'aime pas ça. Mais en tout cas, je vais le réessayer. Ouais, là, l'affaire avec les coupons, c'est que des fois, ça se peut-tu qu'on achète des produits que normalement on n'achète pas? Oui, mais en tout cas, ça va me faire découvrir des nouvelles affaires. Et finalement, Kato m'avait envoyé des coupons de Dove. Fait que ça, il était en spécial à 6$ plus 2 coupons de 2$. Fait que il m'en revenait à 4$ chaque, puis c'est des revitalisants, là. Il y avait des shampoings revitalisants, peu importe, là, on avait le choix des produits. Fait qu'au Walmart, ça m'a coûté 15$. Fait que c'est tout pour mon épicerie d'aujourd'hui. Fait que ce vlog-là, je vais le mettre sur pause, puis je vous reviens jeudi pour vous montrer le reste. Bon, on se retrouve jeudi. Fait que là, j'arrive du maxi, puis j'ai été utiliser plein de coupons. Fait que là, dans le fond, tout dépendamment de la caissière, comme là, elle aujourd'hui, elle a tout passé les coupons à la fin, tandis que celle mardi, elle préférait avoir les coupons au fur et à mesure puis appliquer les coupons sur chaque article un à un. Mais celle aujourd'hui, elle a attendu à la fin. Fait que là, à la fin, mettons la facture, elle a monté à 108$. Après ça, elle a passé tous les coupons puis ça a descendu à 93$. Fait que c'est le fun parce que j'ai comme vu tout de suite 15$ partir de la facture. Fait que c'est sûr que là, pour cette semaine, ça m'a fait une épicerie qui coûte quand même plus que 100$. Mais j'ai vraiment beaucoup de backup pour les prochaines semaines. Vous allez voir, là, mais c'est comme toutes des choses que c'est sûr qu'on ne consommera pas tout ça en une semaine. Fait que j'ai pris un sac de pommes en spécial. Il n'y avait pas de coupon sur les pommes. De la laitue romaine en spécial. J'ai rien acheté à prix régulier. Les yogourts Oikos, comme ça, ils étaient à 3,33 par paquet. Puis là, j'ai trouvé mes premiers coupons, fait que j'en ai pris vraiment une grosse pile, là. Mais dans le fond, c'est des coupons de 1,50 à l'achat de 3 produits Oikos. Puis nous, on les adore, ces yogourts-là, surtout ceux à la lime, là, c'est comme nos préférés. Puis là, j'en ai pris une sorte choco-banane. Des yogourts choco-banane. C'est comme des desserts, dans le fond, là. Fait que, en tout cas, j'avais hâte de goûter à ça. Fait que ça, c'est le fun, j'ai utilisé un coupon là-dessus. Les fromages Petit Québec, cette semaine, ils étaient vraiment pas chers. Il était à 3,97$. Tu sais, d'habitude, des briques de fromage Petit Québec comme ça, c'est 7-8$. Puis là, il était 4$. J'ai pris une petite vinaigrette comme ça, Hellman Ranch, parce que j'avais un coupon. Fait qu'on l'a jamais essayé, mais c'était comme 4$. Puis en plus, il y avait, je pense, un coupon de 1 ou 1,50$. Par contre, là, je me suis rendu compte de quelque chose. Tu sais, moi, quand je fais ma liste d'épicerie avec Ruby,
j'écris ce que je recherche. Comme là, j'avais écrit vinaigrette Hellmann's. Là, j'avais vu que la vinaigrette Hellmann's, comme ça, était en spécial chez Metro à 3,99$. Fait que là, je l'avais mis dans ma liste sur Rebee pour faire l'enzyme à table. Mais en arrivant au Maxi, ça, 3,99$, eux autres, c'est leur prix régulier. Tandis que chez Metro, c'est leur prix en spécial. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires que j'avais mis dans ma liste pour faire les imbattables, mais dans le fond, au Maxi, c'était déjà ce prix-là à prix régulier. Donc, ben, tant mieux, parce que rendu à la caisse, c'est plus rapide si j'ai pas besoin de faire changer tous les prix, là. Mais ouais, déjà chez Maxi, en partant, tout est moins cher, là. Fait que, en tout cas, on va l'essayer. Il y avait des petits coupons là-dessus. Ensuite, la mayonnaise Hellmann's, comme ça, est en spécial à 3,88$. Fait que ça, j'avais pas de coupon, mais c'est vraiment pas cher. Le café du Starbucks, comme ça, le café glacé, là, il était en spécial à 5,88$. Puis j'avais des coupons de 1$ là, que Katou m'avait donné. Donc, ils m'ont revenu comme à 4,88$ chacun. Juste pour vous donner une idée, mettons, au Costco, ils viennent en paquet de 2. Puis c'est 2 pour 11$. Fait que là, c'est 2 pour 9,60$ à peu près, là, 9,70$, mettons. Fait que, c'est pas une grosse différence de prix, mais t'sais, on crache pas là-dessus, là, une ou deux pièces de rabais. Bon, fait que quand je vous dis que j'ai acheté vraiment plus que ce qu'on consomme, là, les petits fromages comme ça, là, le fromage râpé Petit Québec, d'habitude, c'est 8$ le sac. Là, il était en spécial à 4$. Puis, en plus, j'avais plein de coupons. Je pense que c'était tous des coupons de 1$. En tout cas, ça revenait à 3$ du sac à peu près, là. Fait que, bon, j'ai pris 5 sacs. Encore un exemple de choses que j'avais pas vu dans le circulaire du Maxi, mais qu'il était moins cher au Maxi. Fait que ça, c'était les petites pâtes. J'ai pris des fusillis. Ils étaient 1$ la boîte. Oh merde, il a l'air à être... il est ouvert, le bacon. Mais il était pas ouvert à l'épicerie, fait que je pense que si on l'utilise tout de suite, c'est correct. Ah oui, il y a une... Il y a une coupure qui s'est faite ici en dessous. Fait que, ouais, il va falloir que je l'utilise tout de suite, là. Mais c'est... le bacon il est en spécial à 4 et quelque chose, là. 4,88$, là. Puis, tu sais, d'habitude, du bacon, là, c'est rendu super cher. C'est tout le temps, genre, 8$ à peu près, là. Ouais. Ensuite, le persil, ça, j'ai pris un imbattable, là, pour le faire. Je pourrais vous montrer sur mon téléphone un peu, là. Alors, quand on rouvre l'application Rebee, ici, dans le bas, il y a la liste d'achat. Fait que là, je vais dans ma liste d'achat. Puis là, exemple, il y avait le persil à 4,49$. Fait que là, je clique dessus. Puis, vous voyez, ça se zoome tout seul sur l'article. Fait que là, c'était chez Provigo qui était en spécial. Fait que chez Maxi, ça, il coûtait 8$. Là, avec les imbattables, je l'ai eu à 5,49$. Puis, en plus, Katou m'avait envoyé des coupons. Fait que j'avais des coupons de 2$ par persil. Fait qu'il m'est revenu à 3,49$ au lieu de 8$. Fait que 3,49$, fait que j'en ai pris 2. Ben, j'avais 2 coupons. Fait que j'en ai pris 2. Ensuite, le porc haché était en spécial vraiment pas cher. 7$ pour le gros comme ça. Ensuite, ça aussi, j'ai fait les imbattables dessus, là, les sauces VH qui étaient à 2,49$ en spécial au Super C. Puis chez Maxi, c'était 3$. Puis en plus, j'avais des coupons de 1$ par sauce, fait qu'ils revenaient à 1,50$ chacune. 1,50$ chacun. Et finalement, ah, le beurre de peanut, ça, je l'avais mis dans mes imbattables. Puis finalement, à prix régulier chez Maxi, il était moins cher, fait que j'ai comme enlevé des imbattables. Puis j'avais un coupon Jif en plus. On n'a jamais pris ce beurre de peanut là, mais il me semble qu'il doit être super bon. Là. Il me semble que j'ai déjà entendu parler du monde de ça. Là, fait que c'est ça. Bon, fait que ça, c'est pour le Maxi. Ensuite, j'ai été au Walmart parce que, dans le fond, je voulais acheter ça. J'avais un coupon de Finish Quantum Ultimate, sauf que chez Maxi, il n'y avait pas cette chose-là. Il l'avait pas. Fait que j'aurais voulu faire les imbattables, là, vu qu'il était en spécial chez Walmart. Mais bon, le Walmart est juste à côté, là. Fait que j'étais allée au Walmart après. Fait que ça, il était en spécial à 14, puis j'avais un coupon de 2$. Fait qu'il est revenu à 12$. 12$ pour 72 Finish Quantum. Ça, c'est beau. Bon, sinon, au Walmart, bon, j'ai pris une petite gelée de pomme en spécial à 3$. Ça, j'ai pris un mascara parce que c'est Josiane. Allô, Josiane. Josiane m'a dit qu'il allait vraiment bien. Elle m'a envoyé des photos de ses cils, là, puis c'est ça. Le mien, il va achever, là. Fait que le L'Oréal, je pense que c'est ça, L'Oréal, oui. L'Oréal Air Volume Mascara. Le tube, il est beau, hein? Puis c'est ça, elle m'a dit qu'elle est super bien. Puis j'ai pris le lait à Arthur. Fait que là, tu sais, c'est sûr que Walmart, ça a coûté cher, là, mais...
pas considérer ça comme une épicerie de la semaine. Fait que mettons mon épicerie de la semaine en tout et partout, ça coûte environ 130$, mais j'ai comme des réserves pour beaucoup plus que cette semaine. Fait que si on considère juste les affaires qui vont servir pour cette semaine, peut-être 75, je sais pas, là. C'est comme dur à dire, là, parce que vu que je commence dans le couponing, mettons, pis toutes les réserves pis checker spéciaux, mais c'est sûr que là, j'achète des affaires en plus. En tout cas, on va voir, là. On va voir avec le temps, là, pour pas que j'achète trop non plus des choses superflues qu'on consomme pas, là. Pour pas non plus qu'on gaspille, là. Donc, finalement, ben, c'est sûr que je vais le refaire. Ça, c'est sûr et certain. Sûrement que vous l'avez vu à travers moi qui vous présente mon épicerie, mais tu sais, c'est quand même vraiment le fun, là. Tu sais, quand t'arrives à ton épicerie pour payer puis que le prix descend, 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 tu sais, je veux dire, je trouve ça vraiment intelligent comme move. Ça me prend pas tant de temps que ça, tu sais, faire la liste, puis c'est vraiment payant. Aussi, je dois dire que moi, avant, j'avais jamais trouvé de coupons en épicerie. Mais là, mardi, quand je suis allée, j'ai spoté les places où est-ce qu'il y en avait. Mais toutes les stands, ils étaient vides. Mais là, aujourd'hui, il y en avait plein. Jackpot! Fait que, si vous êtes de la région, moi, je suis à Trois-Rivières, au Cap-de-la-Madeleine. Je suis allée au Maxi du Cap-de-la-Madeleine. Puis, j'en ai trouvé vraiment beaucoup. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Il y avait ceux de la margarine Bessel, là, les 1$. Donc, j'en ai pris quand même une petite pile, là. Puis ça, Kato m'en avait envoyé aussi, mais je les avais déjà utilisés, là, parce que c'est quand même quelque chose qu'on utilise, là. La margarine Bessel, fait que j'en ai pris une petite pile. Sinon, il y avait les fromages Philadelphia, mais c'est les fromages Philadelphia sans lactose. J'imagine que ça doit goûter pareil comme le fromage Philadelphia régulier. En tout cas, j'en ai pris une grosse pile, là, parce que nous, le fromage Philadelphia, on aime bien ça. Ensuite, il y avait ceux des yogourts Oikos, comme ça. Là, j'en ai pris quelques-uns, puis il y en a un que j'ai utilisé aujourd'hui en plus. Fait que, voilà, c'est 1,50 à l'achat de 3 produits. Et ensuite, j'ai trouvé ceux-là ici de Danone, des 1$ à l'achat d'un produit Danone. Donc, plein de petits coupons que j'ai trouvés aujourd'hui. Fait que là, c'est sûr, il n'y en avait pas partout, là. Il y avait encore plein de stands vides. Fait que j'imagine qu'ils vont peut-être être remplis à d'autres moments donnés. Mais je vais retourner voir de temps en temps, puis je vais essayer de plus les spotter. Alors, ben, comme d'habitude, là, je vais vous mettre la vidéo de Katou qui explique vraiment plus en détail le couponing puis les abattables dans la barre d'informations. Moi, expérience totalement positive, je vais le refaire, puis ben c'est ça, si vous avez des questions, vous pouvez me poser. J'étais en train de faire le montage de la vidéo, puis j'aimerais ça juste rajouter, moi, avant de commencer, j'avais vraiment peur de déranger les clients derrière moi, et peur que la caissière aussi soit comme impatiente, parce que là, je fais changer tous les prix de tous les produits, mais premièrement, pour ce qui est des clients, je veux dire le truc de Katou, là, mais si tu vois quelqu'un arriver derrière toi, tu peux lui proposer de passer devant toi en lui disant que ça va être long. Comme ça, la personne ben, est avertie que ça risque d'être un petit peu plus long. Deuxièmement, c'est pas si long que ça. Surtout quand tu commences à être habitué, tu montes les prix au fur et à mesure, c'est vraiment pas si long. Ce qui est le plus long, dans le fond, c'est quand il faut que tu fasses changer le prix de fruits ou de légumes, que le prix est calculé avec le poids, parce que la caissière, il faut qu'elle fasse le poids de l'article fois le prix de l'autre épicerie. Fait que c'est ça qui est un petit peu plus long. Mais sinon, quand c'est des articles, vraiment que c'est un prix fixe, ça, c'est vraiment pas long. Deuxièmement, les caissières, en tout cas, jusqu'à maintenant, les caissières que j'ai pognées, il n'y en a aucune que ça a eu l'air de se déranger. Même au contraire, ils ont toutes l'air super heureuses de ça. Puis comme si aujourd'hui, tu sais, j'ai comme dit « Ah, je suis pas très habituée, là, ça, faut-tu que je fasse ça? » Puis là, elle me dit « Ah, hey, tu vas voir, tu vas pogner la piqûre, c'est tellement le fun. » Après ça, l'autre caissière de mardi, il y a un produit que j'ai passé à un moment donné puis qui était pas en spécial. Puis là, elle m'a dit, hey, elle dit, va voir sur ton application. Elle dit, je pense qu'au Provigo, ce produit-là, il est en spécial cette semaine. Finalement, je suis allée voir sur le circulaire de Provigo puis il était pas en spécial, là, mais pas grave, c'est l'intention qui compte. Elle a voulu me descendre le prix d'un autre article. Fait que, tu sais, si elle me l'a proposé, c'est sûrement pas que ça lui dérange que je faisais ça, là. Fait que finalement, c'est ça. Ne pas avoir peur. On y a droit, c'est rabais, là. Puis c'est ça que je voulais vous dire. C'est moins pire qu'on le pense. Ben, merci d'avoir écouté la vidéo. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!